France Inter. Point fr. Come on. <qu> wow. Ça va, tu, pas tu parles? Cette fois, elle écrit sans écrire je. Une nouvelle fois, elle écrit sur l'inceste. Cette fois, elle écrit le sexe, lancinant et dégoûtant. Une description très détaillée, sans émotion, sous lumière crue. À nous, lecteurs, de nous débrouiller avec ça. Christine Anglo publie une semaine de vacances chez Flammarion. Bonjour, Christine Anglo. Bonjour. Est-ce que euh, plus que d'habitude, avec ce livre-là, vous vous demandez euh, comment sera-t-il reçu non, non, non. Je ne me demande pas spécialement, en général, quand je fais un livre, euh, comment il va être reçu. En général, je, je m'en doute un peu. Et euh, en revanche, je me demande toujours ce qu'ils qu vont en dire. Qui ils Vous, journaliste, vous qui êtes responsable de, du relais avec les lecteurs donc vous vous demandez. Ben là maintenant, je me demande moins puisque j'ai commencé à voir. Mais euh, bien sûr que c'est une question. C'est une question euh, qui, qui compte. Hein. C'est une question qui est importante. Est-ce qu'il Bon, une... ça, pendant que je fais le livre, je pense pas à ça. Ça c'est clair et net. Hein. Est-ce qu'il y a une. Quand bon, je l'ai fini un peu, mais bon. Il y a une problématique particulière à accompagner ce livre-là sur la place publique, par rapport aux autres. Mmh. Euh, je ne pense pas, enfin non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de... Je ne crois pas qu'il y ait une problématique particulière. Disons, ce que je peux dire en revanche, c'est que euh, moi, quand j'ai fini ce livre-là, euh, vous savez, quelquefois quand vous terminez un livre, les gens vous disent... Euh, euh, alors, t'es contente euh, T'es es, es contente J'ai jamais su répondre à cette question. Est-ce que je suis contente euh, je, dire, je sais pas. Je fais toujours le livre que j'ai à faire. Euh, donc voilà, euh, je suis contente. Je suis pas contente. Euh, si je suis pas contente, je le publie pas. Donc euh, voilà, ça n'a pas de sens pour moi. Euh, mais quand j'ai fini ce livre-là, celui-là, une semaine de vacances, oui, j'étais contente. Oui contente de quoi euh, contente de ce qu'il contenait contente d'avoir euh, réussi à écrire ce qui est écrit dans ce livre contente euh, d'avoir réussi à clarifier euh, ce que peut ressentir une jeune fille de, de 13 ans de 14 ans de 15 ans ça n'est pas pas, dit. pas au juste on a des petits signes comme ça pour qui est en train d'être tué c'est intéressant. Et c'est complètement... Euh, comme ce n'est pas elle, naturellement, qui peut le faire. Euh, J'étais très contente, oui, d'avoir réussi à communiquer euh, l'état intérieur de quelqu'un qui est en train de perdre sa vie, quoi. On est en train de la tuer. Quelqu'un qui est en train de vivre un crime. On entend beaucoup parler de... Euh, Qu'est-ce que ça fait de tuer Est-ce qu'on ressent un truc quand on tue quelqu'un Alors ça, c'est une question super courante. Ça fait quoi de tuer quelqu'un Ça fait quoi de viser Ça fait quoi de tuer un homme On entend tout le temps cette question posée et les gens d'ailleurs aiment beaucoup y répondre, j'ai remarqué. Ceux qui ont tenu quelquefois un fusil ou un pistolet euh, ont souvent une petite jouissance à nous raconter leur, leur, euh, leur état au moment où ils... Où il pointe un fusil et où peut-être, enfin, effectivement, il tue quelqu'un. Je n'ai jamais entendu poser la question euh, d'en face, à savoir qu'est-ce que ça fait quand on est en train d'être tué. Ça n'a pas l'air d'intéresser qui que ce soit. Moi, ça m'intéresse. Quand vous avez lu euh, le chef-d'œuvre de la rentrée, mardi à la une de Libération, qui vous consacrait. Euh Quatre pages, qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que chef-d'œuvre, c'est un bon mot pour ce livre Est-ce qu'on peut qualifier ce livre de chef-d'œuvre Écoutez, euh, de toute façon, ça, c'est. Ça vous échappe, c'est pas vous qui avez écrit, mais. Non, mais. Euh, c est, c est, si, c'est moi qui ai écrit, justement. <laughs> c'est dicté le. Justement, c'est moi qui ai écrit. Mais, moi, voilà, ce sont des. Des mots qu'on qu que, que des, des gens peuvent euh, souhaiter poser sur sur des choses et, euh, et ça, ça leur appartient et voilà. Mais ça, ça vous a plu de lire ce mot chef-d'œuvre bah, écoutez, euh, je vais pas dire encore une un truc une connerie. Il y a assez de conneries comme ça qui se disent. si là, je suis pas contente. Écoutez, là vraiment, faut faut désespérer de jamais me satisfaire quoi. Donc euh, bah écoutez, ouais bien sûr c'est c'est bien même même si ça. Il y a forcément tout un tas de contre-coup à en attendre. Par exemple bon, pff, Écoutez. Vous verrez bien. <laughs> c'est met... tout vu, je crois. Mais bon, euh, ce que je voulais dire, c'est que moi, en tout cas, quand j'ai commencé à l'écrire, et je dois dire pendant tout le temps, euh, j'avais quand même une sensation. Euh, de toute façon, moi, j'étais comme absente hein, quand je l'ai écrit. Hein, C'était. J'ai écrit ça très. Comme si j'étais pas là. Et j'étais pas là d'ailleurs, mais froid, très froid. Euh, très froid, mais je voyais bien que cette page, elle était. J'ai bien vu que. Le... Enfin, J'ai vu très vite que la page elle-même brûlait. C'est-à-dire. Ça, je m'en suis rendu compte. Euh. Je ne sais pas. Ça se... je, je, le, je le sentais. Je commençais à écrire ce truc. Je ne savais pas où j'allais. Euh... C'était une première scène comme ça avec laquelle. J'avais pensé la veille à cette scène. Je m'étais dit tiens, il faudrait que j'essaye d'écrire cette scène. C'est-à-dire pas seulement informer du genre il se passe ça, mais d'écrire. Il se passe ça, il y a tel geste, tel autre. Précis être précis. Euh, très souvent, dans ce, pour ce genre de, de, de choses, d'entreprises, de questions, les gens s'intéressent et se disent... Mais pourquoi Mais mon Dieu Mais pourquoi Mais pourquoi il fait ça Mais pourquoi les gens font ça Mais, mais qu'est-ce qui lui a passé par la tête mais, 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 mais ces pauvres nazis, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête Pourquoi ils, ils ont été emmerdés, ces pauvres juifs euh, qui ne leur avaient rien fait euh, Qu'est-ce que c'est C'est de la jalousie, c'est de la cruauté. Mais comment l'être humain, ceci, cela Aucun intérêt. Cette question n'a aucun intérêt. C'est le comment qui vous aucun. intéresse Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Qu'est-ce qui, qu qui existe dans notre monde Qu'est-ce qui existe autour de nous Comment se comporte telle personne Quels gestes Quelles paroles Que se passe-t-il autour de nous, dans notre monde Ça, ça, ça me paraît intéressant. Et ça, c'est le travail d'un écrivain. Après, la question du pourquoi, c'est une question. Euh, Quasiment malhonnête. Enfin, on va quand même pas commencer à chercher des raisons et en plus à en trouver. Une semaine de vacances, le récit terrifiant d'un huis-clos, un homme, sa proie, la domination. On va tenter de trouver des mots. Christine Angot passe par là ce matin. Elle ne le sait pas, mais un jour, Christine Angot a croisé la vie de Nicolas. Et bonjour Nicolas. Bonjour. C'était quand C'était un soir au Théâtre de la colline. Le communiqué de presse Flammarion annonçait un court roman, une audace à couper le souffle, un morceau euh, littéraire dont on ne sort pas indemne. Est arrivé euh, tard durant l'été, une semaine de vacances, 137 pages sans véritable résumé sur la quatrième de couverture. Effectivement, ce livre est impossible à résumer. Euh, je vais lire les premières lignes, Christine Angot, pour savoir un peu de quoi on parle. Vous préférez le faire vous-même, comme vous voulez. Allez-y, j'y vais. Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes. La porte est restée entrouverte. Il bande. Riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont achetée à la supérette du village et la place sur son sexe. Elle est dans le couloir. Elle sort de la salle de bain. Elle marche. Elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller. Il l'appelle, lui dit de pousser la porte. Euh, C'est venu comme ça. C'est venu par cette première phrase, ce livre. Euh, C'est-à-dire, c'est une première phrase qui s'impose à, à vous. C'est comme ça que naît un livre. Ben là, en l'occurrence, alors je peux pas vous dire ce qu'il y avait à la télévision ce soir-là. Je m'en souviens plus. Mais euh, je, je regardais la télé le soir. Je travaille jamais le soir. Je travaille le matin. Et euh, et puis, bon, je regarde la télé, mais en même temps que je regarde la télé, euh, je pense à autre chose, quoi. Et, et à un moment donné, je me dis, tiens, ça serait bien que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que, que je démarre un texte comme ça par cette scène, et puis que je vois si je peux euh, continuer, si je peux enchaîner d'autres choses, d'autres scènes. Puis je me dis, tiens, bah, je verrai, j'essaierai demain matin. Avant ça, aucun niveau Donc, le de préméditation. le lendemain matin, je me lève, je m'assois sur ma chaise, j'essaye et puis et puis voilà quoi. Avant ça, aucun aucune non. préméditation. Euh, rien. Non non c'est vrai, rien. Aucune préméditation. Vraiment, je vous dis, je regarde la télé, je me dis tiens hein, je dors le lendemain matin, j'essaye je, je, et puis voilà. Une intention. Vous savez, il faut Alors, essayer, hein, ouais. Alors, dire, essayer. Pour écrire, il faut essayer. Il ben, faut essayer. faut s'asseoir sur une chaise, devant un ordinateur ou avec une feuille de papier, un crayon, tout dépend des gens, de ce qu'ils qu aiment bien. Et puis, il faut le faire, il faut essayer. Et puis, voir ce que ça donne, voir si ça, si ça produit euh, quelque chose, si, si ça a l'air vrai, si ça fait réel, si ça produit quelque chose qui, qui existe sur la page ou si la page est morte. Voilà. Si la page vit, si la page bouge, ou si euh, il si, n'y euh, si, a rien dedans. Quoi. Voilà, c'est tout, il faut essayer. Essayer quoi dans l'intention Ah ben dans l'intention, rien. Aucune intention. Non, il faut juste essayer de voir si, quel... si la page peut avoir du relief, si la page peut euh, euh, exister par elle-même. Exister par elle-même, sans aucun autre secours. Sans, sans intention justement, sans votre intention. Si la vie, vous pouvez la transporter sur une page. Si ça peut être là. Quand je dis la vie, je ne veux pas dire naturellement euh, euh, la réalité ou je ne sais quoi. Non. Est-ce que euh, ce qu'on sent de très vivant, parce qu'on a tous un sentiment en soi que la vie, ça existe. Que des choses, qu'il y a des choses euh, qu'on vit, quoi. Qu'il y a des moments vivants. Est-ce que euh, l'intensité euh, vivante, la page peut en témoigner C'est pas autre chose la littérature. Hein. D'entrée, on le voit, il y a elle, il y a il, y a il, il y a elle. Euh... Évidemment, on était habitué au jeu de votre part. Euh, le jeu n'est pas venu ou pareil, ça, ça n'était pas pensé du tout. Le jeu n'est pas venu. Ben, le jeu aurait été euh, faux. Hein Il aurait été faux dans la circonstance. Pourquoi Pas plus que d'habitude Si, c'est sûr que si. Pourquoi plus que d'habitude Eh bien, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, bon, je l'ai vraiment pensé comme ça, euh, la veille devant ma télévision. Euh, et donc je l'ai écrit comme ça. Il n'y a, a pas eu aucun essai euh, avec un jeu ou autre chose, pas du tout. Ça a été écrit comme ça immédiatement. Et pourquoi ça a été écrit comme ça Vraisemblablement, le jeu c'est pas un truc artificiel. C'est un truc. Que, que, le jeu c'est une personne qui parle. Bon. Alors admettons que quelqu'un veuille faire un, veulent veulent faire absolument un truc en jeu avec ce ce, ce qui se passe là sur ces pages-là. Pourquoi pas, après tout Pourquoi pas, chacun... Voilà, pourquoi pas, bien sûr. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu Mais là, dans la circonstance. Alors, euh, c'était le, le personnage masculin qui disait « Je, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas de, 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 de provoquer une identification à, à, à ce genre de, de personnage que je ne trouve pas du tout complexe. Euh, les bourreaux ne sont pas des gens complexes. C'est des gens naïfs. Est limité, ça m'intéresse pas. Donc le jeune ne pas peut pas être il, mais est-ce que le elle a Eh bien, euh, non. Dans la circonstance là, non. Euh, parce que une des, fin, une, fin, la difficulté majeure, la, 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 la source essentielle de souffrance de cette question-là de l'inceste, c'est que euh, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, euh, Essayez-vous, imaginez-vous que vous avez à faire une phrase en jeu, je parle dans la vie. Essayez, pourquoi est-ce que euh, on, reproche, on reproche aux, aux, aux personnes qui, qui sont amenées à, à vivre ça de, 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 ne pas, de ne pas le dire On, on les exhorte à dire, soi-disant. Bon, il faudrait faire ça. Bon, euh, dire qu'il faudrait faire ça, c'est stupide. Euh, essayez. Imaginez-vous que vous avez ça à dire. Essayez de le faire avec une phrase en jeu. Vous allez dire quoi je, 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 je quoi je, 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 je... Ben, je rien du tout. Hein. Donc, euh, le jeu, il est derrière le narrateur. Voilà. Euh, C'est un narrateur omniscient. Omniscient, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qui sait. Ce qu'il y a dans la tête du personnage masculin, et ça veut dire qu'il sait ce qu'il y a dans la tête du personnage féminin, mais qui choisit l'identification, qui demande au lecteur de s'identifier au personnage féminin, parce que c'est elle qui l'a choisi. Et donc, euh, on est. On est on, ça serait faux, ça serait dégueulasse d'être dans le jeu du père, à tout le point de vue, et ça serait, euh, ça serait faux d'être dans un jeu impossible de, de la jeune fille. Ce livre s'ouvre sur une, une scène comme un long plan séquence. Mmh. Euh, C'était aussi ça l'idée que vous ne coupiez pas, que vous refusiez l'ellipse. Absolument. Très 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 important. Très 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 important. Ça continue. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter s'il te plaît Est-ce que ça ne pourrait pas s'arrêter s'il te plaît, ne serait-ce qu'une journée S'il te plaît aujourd'hui est-ce que ce serait possible qu'il n'y ait pas de gestes physiques, euh, s'il te plaît Est-ce que c'est possible Bien sûr, mais bien sûr, on fera que ce que tu voudras, bien sûr. Ah bah oui, mais... Ah bah oui, mais... Oui, mais non. <laughs> non, ça continue. Ça continue. À aucun moment, vous ne vous êtes dit ça, non, ça, je ne peux pas l'écrire. Mais pourquoi j'aurais fait ça Je sais pas, ça arrive, ça arrive, non ça ne vous arrive jamais de dire ça Par exemple, quand, quand vous est arrivé le moment où, où des corrections. Hein, vous avez votre texte et vous y, vous repassez dessus euh, de nombreuses Alors, fois. C'est tout ça tout à ou à si je vous ai entendu faire une chronique sur les poussiers Riot, d'accord Non, sur Mireille Mathieu, mais enfin bon. Ou sur Mireille Mathieu, ou sur Mireille Mathieu, enfin bref, sur cette question-là, qui est une question de censure, d'accord Censure politique, etc. Résumé. Censure politique présumée. Donc, est-ce que vous voulez dire que un écrivain devrait euh, se faire le régime politique de lui-même et censurer ce qui vient d'écrire. Non, je ne dis pas qui devrait, mais je dis que ça arrive, que vous êtes maître oui, de votre ça arrive, texte. Ça arrive. Donc ça arrive en Russie, ça arrive ici, ça arrive partout. Par La exemple, censure, est quand, est arrivé, quand, quand est arrivé le moment des, des corrections, oui, bon. ce qu'on fait sur un manuscrit, elles ont porté sur quoi les corrections Ah, je vais vous dire. Elles ont porté sur, mais dans chacun de mes textes, je fais ça, c'est-à-dire que je relis des, des très 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 nombreuses fois. Et je relis, et je me dis, voyons, est-ce que là, qu'est-ce que je vois Je me mets dans la poche, ce moment-là, je, je lis le texte que je viens d'écrire, je le lis, je vois comment il existe, je vois ce que je vois. Par exemple, il y a plein de positions à un moment. Donc enfin, il, y a, il y a des positions tout le temps, des tout positions temps. des corps, etc. Des, voilà. des, des, on voit les, les déplacements, on voit les gestes, on voit les corps. Alors, un, il faut que les déplacements, il faut que les positions soient possibles, hein. c'est-à-dire que dans l'écriture, par exemple, moi, ça m'arrivait plein de fois de me mettre à quatre pattes sur le parquet, etc. Euh, voilà, d'imaginer si mes bras pouvaient aller jusque à tel endroit du corps, etc. D'imaginer s'il y avait un autre corps en face, si ça serait possible déjà. Bon, donc ça c'est un point. Euh, deuxième point, une fois que la position est écrite, il faut qu'elle soit visible. Il faut que le lecteur puisse la voir. Si le, le mouvement, par exemple, je ne le voyais pas immédiatement. Si j'étais obligé de faire un effort de relire ma phrase deux ou trois fois, c'était pas bon. Ça veut dire qu'il y avait une virgule à changer quelque part parce que euh, le lecteur n'avait pas le temps de, de 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 voir la photo que j'avais prise. Ma photo était floue. Donc, quand une photo est floue, vous la retouchez. Donc euh, c'est tout, c'est ça. Donc c'est une sorte de, 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 de précision, de, de, de super précision. Il faut vraiment que tout soit, euh, faut que tout soit visible, euh, que ça soit ça et pas autre chose. Après, suivant la ponctuation, si vous mettez une virgule à un endroit ou à un autre, euh, la phrase va pas s'entendre de la même façon. Elle ne va pas s'entendre de la même façon. Vous n'allez pas, pas entendre en plus fort. La littérature, c'est silencieux. Il y a quand même des trucs qu'on entend plus fort et des trucs qu'on entend moins fort. Comment ça se règle Moi aussi, j'ai une table de mixage. Vous avez écrit comme absente, avez-vous dit tout à l'heure. Est-ce que vous vous étiez interdit, l'émotion, ou simplement elle n'est pas venue Écoutez, euh, écrire, c'est pas être là et avoir des états d'âme et ressentir. Et des... Non, c'est pas ça. Écrire, c'est pas du tout. C'est quelque chose où, 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 le, où vous n'êtes plus dans le réel. Et là, très très fortement, vous n'êtes plus dans le réel et vous êtes disponible pour créer un espace qui est un autre espace qui n'existe pas, un autre espace, quelque chose de complètement autre. Bon, en revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce moment de délire, hein. ça c'est comme dans la psychose hein, où vous êtes absent du réel, sauf que comme je ne suis pas euh, c'est pas ma structure ça je suis pas Voilà, la psychose c'est pas mon, mon état profond c'est pas ma nature profonde donc je peux vous dire une chose, c'est que Serge je l'écris dans une grande froideur et, et, et euh, absente, puis à un moment donné je suis revenue je suis revenue je suis là aujourd'hui. Je suis revenu. Je suis revenu dans le réel. Une fois que les deux, trois dernières virgules ont été assurées de leur place. Et là, je peux vous dire que là, heureusement, le texte était fait. Euh, mais là, euh, là, j'ai eu mal. Là, j'ai eu très, 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 très mal. Oui. Et là, j'étais très mal. Là, j'ai pleuré. Là, j'étais mal. Là, j'ai souffert. Vraiment, je peux vous le dire. Quand j'ai reconnecté, quand j'ai retrouvé le réel et que j'ai vu ce que j'avais écrit et que ce que j'avais écrit a, a, a dû cohabiter avec le réel et avec ma propre vie. Là, ce n'était pas tellement facile. Voilà. Donc, euh, je suis revenue parmi vous. Est-ce que ce livre. Va vous faire du bien à vous un jour La question qu'il ne faut pas poser. Bah tant pis, je l'ai posée. Vous y répondez <rire> simplement. <laughs> Est-ce que vous pensez que c'est l'objectif Je ne sais pas. Pourquoi pas Ce serait. Euh... Écoutez, je pense que les gens qui veulent se faire du bien ont des moyens beaucoup plus directs, beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces que de faire de la littérature. Pas dit la littérature n'est hein. un ni jour. une question d'émotion, ni une question de bien-être, ni une question de mal-être. C'est une question hors du réel, c'est une question autre. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné qu'il y a un monde, on n'a pas besoin d'aller dans la Lune, ni sur Mars, ni je ne sais où, il y a un monde autre autre. Et dans ce monde autre, la question de se faire du bien, de se faire du mal et de se faire à soi quelque chose n'existe pas. Un homme et son jouet, sa proie sexuelle, la notion d'inceste n'est pas surlignée. Euh, on le comprend, page 43, il lui dit Dis-moi, je t'aime, papa, elle le dit encore, elle le redit. Euh, pour qui ouvrirait ce livre sans rien savoir euh, de vous Et cette dimension-là n'est pas évidente. Pourquoi parce qu'elle n'a pas à être évidente. Parce que quand cette chose vous arrive dans la vie, est-ce que vous croyez que vous dites que vous dites ah tiens bah oui d'accord ah oui j'avais entendu parler c'est l'inceste qui est en train d'entrer dans ma chambre. n'est pas du tout ça. n'est pas du tout ça qui se passe. Pas du tout comme ça que ça se passe. Donc la moindre des choses quand vous écrivez, c'est de faire comprendre. L'objectif quand vous écrivez, c'est pas d'informer c'est de faire comprendre ce que c'est que cette chose-là, et comme je dis tout à l'heure, comment on se sent quand on est en train d'être tué, comment on met un petit temps, voire un temps assez long, à s'en apercevoir. Donc voilà. Il n'y a pas de réaction de survie quand on est en train d'être tué, ça n'existe pas. Si, ne pas moufter, c'est ça que vous voulez faire passer aussi. À la limite, il, bon, il, pas très intéressant. C'est elle qu'on regarde, évidemment. Bien sûr, il est temps. Vous savez que ça n'intéresse personne. Les, les... Euh, on est dans une société soi-disant du care, c'est ça, je crois, le nouveau mot. Mais personne ne fait attention à personne. Elle qui subit en écrivant, vous la considérez comment elle euh, Elle est dans un, un truc de. Elle tombe. Elle tombe. Elle est dans quelque chose que lui ne connaît pas du tout, qui. Le néant aussi, c'est un truc qui existe, le néant. Donc, euh, elle, elle est. Elle est en train de s'apercevoir qu'elle n'aura pas de père. Parce que ce type-là, c'est son père, mais il veut pas être son père, la preuve. Il se refuse en tant que père. Elle est en train de prendre la mesure de ça. Elle n'aura pas de père. Elle savait qu'elle n'en avait pas. Là, tout d'un coup. On lui présente, on dit voilà, c'est ton père. Et il se rencontre, elle le rencontre, elle dit oh, super, c'est lui, mon père, génial, il est super cultivé, génial, je vais apprendre plein de trucs, c'est super. Il va m'apprendre plein de choses. Et donc elle dit c'est super, quoi. Et, et je, voilà. Ben ouais, mais non, il veut pas être son père. De fait, il lui apprend des choses. Oui, enfin, lui, il est lui fait rentrer dans le crâne, oui, en effet. Elle n'a aucune chance d'échapper à ça. Euh... Pas sur l'instant, en tout cas. Pas sur l'instant. Mais euh, c'est une, une vie de conquête après. Voilà, elle, a, elle a plein de choses devant elle à faire. Il hein. n'y a pas rien à faire. Y a... Vous imaginez l'espace après pour faire... pour voir si on ne peut pas... Comment, après, il y a une autre question qui se pose, c'est-à-dire comment... Est-ce qu'il y a un autre espace, là encore, que celui du pouvoir, de la violence, de la domination, de, etc. Est-ce qu'on peut faire autrement Oui, on peut faire autrement. Oui, on peut faire autrement. Mais c'est super dur. Mais on peut faire autrement. Peu à peu. Euh... Christine Angot, dans votre texte, apparaissent quelques repères précis, la mort de Franco qui barre la une du monde, donc nous sommes en 1975, euh, quelques repères de lieux aussi, euh, l'Isère, Grenoble. Et là, le jeu apparaît par petites touches. Ça marque, ça date, ça ramène à vous Ouais, je ne sais pas. Pourquoi le jeu apparaît bah parce que ce sont des repères qui, ra, qui ramènent à, à votre propre histoire. Vous signifiez que vous n'êtes pas totalement étrangère à cette histoire. Oui, Juste mais... deux petites touches. fallait quand même signer ce texte. Ce n'est pas un texte comme ça qui se balade quelque part. Mais, il non, est daté... Mais sur, non, mais il n'y a pas spécialement... Enfin, pas, euh, enfin, disons qu'il est signé surtout, il est signé par, euh, par notre époque. Il est signé par une époque. Il est signé par toute une époque. Hein. Après, moi, il est signé, moi, dans chaque. Euh, voilà, euh, Franco, mais euh, tout. Enfin, bon, j'ai fait d'autres livres avant. Donc, euh, même si les gens ne les, les ont pas forcément lus, euh, c'est de toute façon là, les, les journalistes le savent, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont annoncer ça, ils vont. Ils vont euh, voilà, ça existe. Donc, de toute façon, ça, c'est euh, bien entendu. Donc le jeu est toujours quelque part. De toute façon, dans tous les livres de tous les écrivains, euh, un livre où il n'y a pas de jeu, il a beau être en il, en elle, en nous, en tout ce que vous voudrez, heureusement qu'il y a un jeu quelque part à l'intérieur du livre. Euh, sinon, le livre il tient pas debout. C'est pas compliqué. Donc bon, après, euh, voilà, il y a toujours le jeu. Il est toujours là, de toute façon. Mais c'est pas seulement parce qu'il y a telle ou telle euh, indication. Ces indications-là, Franco, etc. C'est quand même. Euh, c'est une époque contemporaine en France et tout ça que ça, que ça indique aussi, hein, de toute façon. Euh, comment vous le considérez maintenant ce livre hein Vous dites qu'aucune émotion, une absence en écrivant. Euh... Je vous ai dit après que j'avais atterri quand même. Oui, mais ce, ce livre, cet objet-là, euh, il est à part des autres livres que vous avez écrits, oui ou non Non. Non. Non, non Vous m'avez invité il y a un an et demi euh, pour parler de, de mon précédent livre qui s'appelait Les Petits. Euh, vous savez très certainement que l'inceste, euh, c'est euh, l'impossibilité de se dégager de sa propre mère, hein, c'est d'être envahi complètement par sa mère au point de se retrouver dans une situation euh, qui n'est pas celle d'un enfant donc, c'est ça, l'inceste, c'est ça, c'est l'envahissement par la mère. qu'est-ce que ça racontait quoi les petits, ça racontait ça. une mère qui prend toute la place. c'est la même chose. c'est exactement la même chose. c'est un autre angle. c'est un autre angle. là, c'est frontal. là, c'est frontal. il n'y a pas d'économie. il n'y a, y a, y a pas de cadeau. il y a pas de cadeau. puisque ça fait 20 ans qu'il y a un refus de comprendre. alors que j'ai fait, j'ai essayé comme ça, j'ai essayé comme ça, j'ai essayé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait les petits, j'ai fait le marché des amants, j'ai fait rendez-vous, j'ai fait les... Alors toujours, j'en ai fait plein. Et à un moment donné, ben non, c'est toujours pas capté que euh, l'inceste, il y a une question sexuelle dedans. Bon ben là, maintenant, ça va être capté. C'était ça que vous vouliez faire passer avant et, que, et qui ne passait pas Disons qu'il euh, fallait faire capter, et, et c'est toujours le cas, que l'inceste n'est pas une affaire privée, que ce n'est pas une, une affaire intime, que ce n'est pas une affaire... Qui se déroule entre deux personnes, ça se déroule pour une personne, déjà pas deux, hein, et ça se déroule, ça concerne toute une société, ça nous concerne, nous, voilà, d'une façon euh, sociale, politique, c'est quelque chose qui est. Euh, euh, c'est l'interdit fondamental, c'est la loi, on n'en a qu'une loi, il n'y a qu'une loi sérieuse qui s'impose aux êtres humains, il n'y en a qu'une. C'est celle-là. C'est l'interdit de l'inceste. Toutes les autres découlent de là. C'est la seule loi sérieuse qui s'impose à nous. La seule. Donc, faut arrêter de raconter que c'est des histoires privées, d'autofiction, etc. C'est pas possible. Savoir ce que vont ressentir les gens qui vont lire votre livre. Je ne parle pas des critiques. Je parle des, des gens qui vont. Est-ce que ça vous importe un peu, pas du tout, énormément? mais je suis tranquille je suis pas inquiète je suis tranquille par rapport à ça moi je sais le livre que j'ai écrit donc dans, dans le livre que j'ai écrit les, les, les sentiments de, 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 des lecteurs je, je les. quand je vous dis que je relis moi, moi je suis lectrice de, de mon livre ouais. Donc, je sais très bien je sais très bien ce qu'on qu qu ressent en lisant moi je l'ai écrit et puis après je l'ai lu et, et, alors quand et, vous, vous l'avez lu, alors quand fou. vous l'avez lu comme lectrice, si tentait qu'on puisse faire la part des choses. Euh... Non mais je l'ai lu pour y travailler. Oui alors. Donc je l'ai lu en vous y a senti quoi en... vous alors. Non mais attendez, c'est pas en ressent... c'est pas la question n'est pas ce que j'ai ressenti en lisant. Bah, si c'est la ce que... Non oui mais c'est ce que j'ai recherché en, en, en le relisant pour le travailler. Je recherchais certaines choses. Non mais là on parle de, du lecteur. Mm -hmm. hein et vous, vous me répondez, je suis en position de lectrice quand je reconsidère Parce... mon manuscrit, d'accord Vous avez ressenti quoi en relisant votre livre mais, je, je suis désolée, mais franchement, je, 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 je ne peux pas mettre exactement dans la position que vous me demandez. C'est-à-dire que je, je peux tout à fait vous dire, que je relis, et, et au, au fur et à mesure que je relis, je teste ce que j'ai écrit pour voir si j'aboutis exactement à ce que je veux provoquer. Euh, dans la lecture de, de, après des lecteurs, c'est-à-dire ce que je veux qu'ils voient, etc. Bon, et là, je sais très bien que, que ce que j'ai recherché, oui. Est-ce que tout le monde peut lire votre livre Mais bien sûr Pourquoi pas Par exemple, vous, vous, ça ne vous gênerait pas qu'il enfin, n'y ait pas quelqu'un, vous ne dites pas lui ou elle, j'aimerais pas qu'il le lise. Ah ben, je me suis dit ça, oui, je me suis dit ça, euh, juste après l'avoir fait. Euh, j'ai eu, eu peur. Il euh, y avait. En fait, euh, les gens avec qui je vis, euh, les personnes avec qui je vis, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais faire Comment je vais faire Ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, ils l'ont lu. Rebonjour Nicolas Rey. Bonjour. Christine Angot et vous <laughs> Il y a 12 ans, ma fiancée de l'époque travaille au théâtre de la colline. J'entends les mots Françon, Brecht et Ibsen presque tous les jours. Je ne vous avais pas encore lu. Une légende urbaine circule dans Paris. Avant la sortie de l'inceste, Roberts, votre éditeur de l'époque, aurait prévenu les représentants en une seule phrase. J'irai personnellement casser la gueule au premier qui n'aimera pas ce livre. Un peu de courage et d'équimose au café de Flore. Un jeudi soir, je me retrouve dans la grande salle du fameux théâtre. Au programme, une lecture de Quitter la ville par Christine Angot. Au début, les spectateurs ont la mine grave, presque affectée. Je me souviens de vos vêtements sombres et de la manière dont vous viviez vos phrases avec une seule main. Parfois, cette dernière se déployait puis finissait par toucher le point précis d'un mot. Vous donniez corps et rythme à votre récit par la grâce de votre voix. C'est la nouvelle dame en noir, j'ai murmuré à ma copine. Dans dix minutes, elle va chanter Il pleut sur Nantes. Il n'empêche, je dois avouer que je me suis laissé prendre au jeu. Vous étiez contre nous, isolés sur scène. Tout contre nous, comme une grenade dégoupillée avec une lecture qui désamorce tout le sérieux des gens par l'évocation d'un bouillon de culture où vous aviez déchiré l'écran et la cleftine par la même occasion. Nous n'étions pas dans l'anecdote, mais dans le mentir vrai de votre monde. Et dans votre monde, on rit. Je me souviens surtout de cela, que la salle riait et que je riais avec elle. Je sais, dans votre œuvre, la nonchalance n'est pas d'actualité en ce moment. Il n'empêche, en faisant rire une centaine de personnes, go venait de sauver le monde, que cela vous plaise ou non. Et ce n'était pas si mal, en fait, pour un jeudi soir au théâtre de la colline. Nicolas Rey. Bon, il ne devrait pas y avoir de lecture publique de ce livre-là. On me l'a demandé. Pfff. Je vous assure, on me l'a demandé. Je n'ai pas encore répondu. Quoi, vous n'êtes pas sûr que c'est non J'essaye. Vous allez essayer Je vais essayer toute seule dans une pièce, où je vais voir. A priori, je ne suis pas pour, mais, euh, mais je vais essayer, puisqu'on me l'a demandé. Je vais bien voir. C'est votre dernier livre Mon dernier livre Mais vous voulez que je meure Du tout. <laughs> Qu'est-ce que vous pouvez bien écrire après ça Mais comment sache-je que je peux écrire après ça Mais je ne sais pas, moi, pourquoi je ne pourrais pas écrire après ça Je ne sais pas. C'est pas gentil, c'est pas méchant. Ah bah c'est pas gentil, c'est pas méchant, c'est pas gentil. <laughs> Écrire ce livre-là a changé quelque chose en vous, quand même. Chaque livre change des choses très très très, très profondément, hein. très très très. C'est très 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 important. Hein. Ça fait, c'est bien sûr, bien sûr. Et celui-là, bien sûr aussi, bien sûr. Pourquoi vous l'avez écrit, vous savez Est-ce qu'il vous importe de savoir le pourquoi, je vous ai dit non. Le comment, oui. Le oui. Comment, c'est intéressant. Le pourquoi, mais c'est. non, non, mais c'est pas pourquoi. On n'a pas accès. Pourquoi, on se pourquoi, pas pourquoi, pourquoi il fait on ça on est sur Terre Pourquoi on est sur Terre Voilà, j'en sais rien. Enfin, je, crois, vous. je sais pas. Enfin, c'était plus fort que vous. Euh... Ben, c'était plus fort que vous. c'était fort comme moi, puisque j'ai pu le faire. Merci d'être venu. Christine Angot signe une semaine de vacances chez Flammarion. <laughs> Merci, oui. Et peut-être peut bientôt <laughs> une lecture publique. Donc. Comme on nous parle, était réalisé par Stéphane Le Guenec avec Anne-Sophie Ladonne. Émission préparée par Claire-Sophie Collet et Fabrice Rivaud. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique ce matin, il y avait Henri Bérec et Julien Chabassu. Demain, vous avez rendez-vous, comme chaque vendredi, vous le savez, avec Les Femmes, toute une histoire, par Stéphanie Duncan. On se retrouve lundi avec Traitement de choc. Belle journée sur Inter. On a tous un sentiment en soi que la vie ça existe est-ce que l'intensité vivante la page peut en témoigner c'est pas autre chose à la littérature hein.